Comment libérer son foie avec des outils simples comme le vinaigre, comme l'huile d'olive ou bien le sel d'Epsom. Ce sont des techniques que vous avez dû voir ici ou là, où vous allez faire un protocole. Que va-t-il se passer? Eh bien, tout simplement, ça ouvre la vésicule biliaire, ça désengorge le foie. Pourquoi? Parce que généralement, je vous l'ai déjà dit, votre foie, il est souvent bloqué. Et regardez, je fais ce geste serré, et le fait d'ouvrir avec du vinaigre ou avec de l'huile d'olive, qui sont des grands yin, hein. Le yin, c'est l'expansion, le yang, c'est la contraction, et surtout, la pomme résonne dans le foie en énergétique chinoise, ce qui fait que quand vous prenez du vinaigre de pomme, notamment, eh bien, ça va ouvrir encore un petit peu plus le foie. Est-ce qu'il faut faire ce protocole souvent? Eh bien, moi, je vous dirais, ça dépend vraiment de ce que vous mangez. Si vous êtes plutôt végétarien, franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Si vous êtes habitué à la viande, aux produits qui sont frits, là, effectivement, je vous conseille de faire ce protocole une fois de temps en temps. Personnellement, moi, j'aime pas trop ça. Je trouve ça un peu trop violent, mais je sais que ça fait partie du jeu. Comprenez donc le phénomène. Vous ouvrez avec l'huile d'olive, vous ouvrez avec le vinaigre, la vésicule biliaire qui va pouvoir se vidanger, si on peut dire ainsi. Allez, dernière vidéo ici de la Norvège avant de repartir en Bretagne à partir de demain.